You know the drama is never ending.
tous, GL. Le pauvre. Bon, désolé pour ce contretemps. Allez, on va passer directement. Voilà. On est payé. Allez, hop. On est parti directement. Allez, pour cette deuxième map et pour cette dernière soirée, on va voir quelle des deux équipes qui va gagner ce magnifique BO1, la Nova Oxygène et la Neo Cross Chrome. Et justement, on va voir comment ça se passait les deux équipes. Et on va partir sur cette bonne map pour cette attaque du côté de la Nova Oxygène. Quel agent qui va te ban pour donner des difficultés du côté de la Neo Chrome? Et voilà le premier agent qui vient de ban, Oza. J'espère que vous êtes bien sur la chaîne et tout. Allez, on est parti sur l'exclusion. À la Nova, ils étaient limite de se prendre à forfait, hein. On va dire que je suis gentil, j'ai laissé 2 minutes de. 3 minutes, on va dire. 7, 5 minutes au total. Allez, bravo qui était ban. Allez, on va partir sur cette défense du côté de. Quel agent qui va être ban? Du côté de la Neochrome. Solis, Solis, qu'on jouera pas. Et bien sûr, du côté du dernier agent qui va être ban, du côté de la Nova, Oxygène, Neo Cross. Fenry, qu'on jouera pas. Voilà, la phase d'exclusion est terminée. Maintenant, on va passer sur cette première manche et on va démarrer du côté de cette défense de la Nova Oxygène. Et on va voir comment ça va se passer justement sur cette première round. Et là, on va partir directement. Salle d'exposition, bureau, avec cette composition, avec Warden, Wame, Azami, Mute, Emira. Et du côté de la Neochrome, on va partir sur du Thatcher, S, Yana, Amaru et Fenka. Voici la première manche. Merci pour votre follow, prenez place. Alpha doit localiser et désarmer le plus de bombes possible. Allez, on est parti sur cette map gratte-ciel, hein, pour finir cette soirée. Et bien sûr, on se retrouvera, moi, demain à 21h sur du Minor. Et ce sera la Devil Black qui va affronter Askip. Vous connaissez Askip? Askip Array. Attention. Voilà. Et là, on va voir justement sur cette map gratte-ciel. Du côté de la Neochrome qui vont partir cette attaque justement pour essayer de reprendre le BP du côté de Nova Oxygène. Et on va voir comment ça va se passer de l'autre côté. Alpha doit trouver et désarmer une bombe. Allez, on est parti directement du côté d'Espins. Espins qui se met en position. On va Tanzi. DMTC. Elle est Chabon qui se met en position. On voit du côté du Mira. On voit du côté de la Nova justement qui sont bien placés, hein, pour cette défense. Ça peut être un peu suspense, hein. On va voir du côté de la Neochrome comment qu'ils vont attaquer, comment ils vont prendre. Chercher cette information directement, peut-être essayer Spence qui va essayer de rentrer petit à petit, essayer d'avoir l'information. Oula, il vient de passer juste devant ses yeux, il l'a peut-être pas vu. Allez, on va peut-être chercher, peut-être attraper. Allez, Spence, on voit qu'il avance. Il va peut-être essayer de chercher ce duel, peut-être ici on voit qu'on la pille. Allez, on va essayer de droner du côté de la Neochrome. De prendre cette position, peut-être chercher du premier kill. Oula, il l'a pris très cher, on voit qu'il est blessé. On est passé en 5v4, toujours l'avantage du côté de la Necrom. De la Necrom avec Tom Sinu, peut-être chercher, voilà, il l'a blessé. Il a blessé The Waf. Ça va être compliqué, hein. Allez, on continue dans cet élan. Peut-être chercher le kill, voilà. On est passé en 5v2, attention, hein. Off kill est toujours blessé. Ça va être compliqué du côté de la Nova pour cette défense. On essaye de balancer le flash.
J'essaie de prendre cette position. Allez, on est passé en 5 et 2. 5 et 1, n'oublie pas, hein, il reste plus que... Et voilà, manche parfaite du côté de la Neochrome qui prend cet avantage sur cette rune. Et on va démarrer sur un score de 1 à 0. Allez, on va partir sur cette deuxième manche. Allez, on va partir sur un BP, salle d'exposition, bureau. Avec cette composition de salle d'avance. Oh lolo, le pauvre. Avec Warden, Wanmi, Zamimut, Emira. Et bien sûr, du côté de la Neochrome. Avec Fanka, Nomad, Yana Ice et Tiatcher. Et voilà, justement, on va partir sur cette deuxième manche. 1-0 sur le score d'ici quelques secondes. Delta, empêcher Alpha. C'est pas gentil ça. Bah écoute, il est toujours vivant. Hein. Peut-être sur le deuxième round il sera peut-être mort, qui sait, j'en sais rien moi. Peut-être. Alors surtout n'oublie pas de parler de prédiction. Ah bah oui, bah moi j'ai... je vais peut-être sortir une merde, une blague de merde, mais bon. Moi j'ai bien bientôt 52 ans, qu'est-ce que je joue encore sur les sports? Pareil, hein. Il n'y a pas d'âge pour jouer, je pense. J'ai déjà vu des gens à 45 ans qui jouent encore sur la Play, hein. Sur PC, hein. Moi je suis pour mettre à la retraite. Un bon retraité. Elle espèce, hein, on voit qu'il espèce qu'il a pas pris montagne. Il avait pensé se faire dégommer. Tu sais. Elle est TMTC. Et on essaie justement d'avoir la formation. On drone. Allez, Chambon qui commence à passer pour cette fenêtre. Allez, on justement Tanzi qui vient faire tomber Crunch. On est passé en 5v4. Attention, la Neochrome qui prend son avantage. Hello Tanzi qui vient faire tomber par Benbow. 4v4. Allez, c'est les équipes qui vont pas se lâcher. Tout le monde, ils veulent gagner cette rune. Justement, sur l'occasion. On les voit de côté Spence. Comment qu'il va essayer? Allez, Chambon. Qui prend cette position. C'est la formation qui est là. Ah, et voilà, le contact cap est passé directement. Benbow qui a pris son double kill. Et là, on est passé en 4v3. Attention, Benbow avec son Warden qui se met en position. Ça va être compliqué. En plus, Spence qui a cette bombe. Allez, on va essayer de chercher ce duel. On sait qu'on est là. Peut-être chercher les amis. Et non, Spence qui vient de tomber sur les balles de Hoff. Qu'il a pris très cher. Hein. Attention à la Nova qui a pas dit son dernier mot. Allez, on continue. On est passé en 3v2, attention toujours l'avantage du côté de la Nova. La Nova qui va pas lâcher prise, hein. Ils veulent seulement de gagner cette rune. On voit qu'on se met en position. On met avec le petit bonhomme là. Il m'a fait peur le bonhomme. Allez Sua qui est juste derrière. On sait pas comment il va attaquer. Oh, il va se prendre une belle petite tête de la part de Wolf, hein, qui a été chercher quand même son deuxième kill. Là on est passé à 1v3. Il reste plus que TMTC, ça va être compliqué pour lui. Il peut le faire, hein, le clutch AB3. S'il est bien parti, il reste toujours 43 secondes. Peut-être chercher ce kill. Et non, Benbow qui a été chercher ce duel. Et là, on va partir sur un score de 1-1. Attention, les deux équipes qui se lâchent pas sur cette rune. Et c'est le meilleur qui gagne, comme dit toujours. Naughty, t'es méchant. Allez, on va partir sur un BP karaoké salle de thé du côté de la Nova Oxygène avec cette composition de cette défense avec Wanmei, Warden et là Jacker, Bandit et bien sûr du côté de la Neochrome pour cette attaque avec Fanka, Grimlock, Yanas et Thatcher. Sky, il m'a fait récoller. Et ouais, exactement. Je sais pas en plus s'il est peindre, hein, moi je sais pas. Va être compliqué. Message déployé et en service.
Elle est encore 10 secondes avant de lancer cette troisième manche. Un partout, attention ici, égalité. Est-ce que vous avez une prédiction qui va gagner ce BO1 là ce soir entre la nouveau Oxygène et la nouveau Chrome? Avez-vous une intuition? Vous pensez qu'ici qui va gagner ce BO1? Moi j'ai un doute, je sais qui c'est mais je peux pas le dire. Je préfère rester anonyme. N'oubliez pas que le match d'avant hein, et la TPW qu'ils ont eu quand même gagné à 7-0, ça fait mal au derrière pour ceux qui l'ont pris. Et là on voit du côté des DMTC qui vient de tomber sur les balles de Andréu. Et justement, on va les voir directement de côté de... Et celui-là, on va peut-être chercher la formation, on le sait qui est derrière peut-être. Un peu risqué, on voit, on a mis une petite clé morte. Par protection. Allez, on va balancer le premier flash. On va balancer le deuxième. Mais c'était mal visé. Le Yannock, il l'a pris sur son dos. Allez, peut-être chercher la formation directement. Allez, là, la petite tête qui vient se prendre, Benbow. Ah, il fallait jamais se présenter comme ça. Allez, on le sait qu'il y a le deuxième agent derrière le mur, le bouclier. On va peut-être pas essayer de chercher. Attention, peut-être un deuxième qui va arriver. Non, on va essayer de prendre ce magnifique contact. Peut-être. Allez, on va le chercher. On va essayer de tirer droite à gauche. Il y a des fois, ben, on peut le prendre très cher. Là, on balance le flash pour faire diversion. Là, on va essayer peut-être chercher ce contact. Très difficile. Il reste une minute 17. Tu vois qu'il va essayer d'avoir la formation. Il sait, pourtant, il est là, hein. Il n'y a pas photo, on le sait qu'il y a la formation, il est là. On va peut-être essayer de chercher directement. Eh non, le contact n'a pas été passé. Wouf qui a été plus rapide de ce duel et qui a fait tomber. On est passé en 4v3. Allez, on va voir du côté des Spence. Spence, est-ce qu'il va résister aussi longtemps? Là, on est passé en 3v3. Andri qui est dur à passer. Là, Spence qui rentre en force. Il y a quelques balles, hein. Ça va être compliqué. Là, on essaie justement de poser. On continue. On est passé en 3v2. Peut-être chercher la formation. Peut-être off. Qui reste? Ouh, la petite double du côté off. Space qui va tomber complètement. Peut-être chercher ce dernier kill. Ça va être compliqué. Allez, Chapon qui va être déchéché. Et voilà, Necro. Neurochrome qui a été chercher ce duel et qui remporte. Ils ont eu chaud. Hein. On va dire qu'ils ont eu chaud. Hein. Allez, on part sur un score de 2-1-1. Attention, les Neochrome, hein, ils n'ont pas dit le dernier mot. Ils vont essayer de gagner cette win. Mais la nouveau Oxygène ne va pas en rester là, c'est sûr. Allez, on va partir sur un BP karaoké, salle de thé. Oh, ça a été un changement. On est parti sur la barbecue cuisine avec cette composition de cette défense avec Bandi, Azami, Lésion, Goyo, Castle. Et de côté, la Neochrome avec Sophia, Greenlock, Yana, S et Buck. Allez, on démarre sur cette manche 4. 1-2 sur le score. Allez, d'ici quelques secondes, ça va se lancer. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Allez, on est parti, hein, on est chaud. Alpha a découvert l'emplacement d'une bombe. L'objectif d'Alpha est de désarmer une bombe. J'ai protégé le mur. Allez, on est parti. Allez, on y va. Allez, du côté de la Neochrome, hein, qui prend quand même cet avantage sur cette dernière round. Hein, sur le score de 1, attention. Il essaie de gagner au maximum les attaques. Faut qu'il repère justement après en défense. On voit Spence qui regarde dans ses cams avec son drone. Et là justement on va voir, il y a un petit castle juste qui était posé à la porte. On
continue. On voit du côté de la Nova qui sont en train de finir les petits trous. On voit qu'ils sont en position hein, du côté de la Nova et oxygène. Peut-être chercher ce kill. Pas trop piqué hein. Allez Spence, qui commence à attaquer? Il met une clé morte par protection. Allez. On sait jamais s'il y en a qui viendra passer au bon moment. Pas difficile. Et ils savent pas qu'il y a quelqu'un qui est en bas. Parce que vous savez que s'il y en a un qui passe à la porte hein, du cas Spence, il a pas vu, il y en avait un qui était tout en bas. Il peut facilement chercher son premier kill hein. Attention Spence qui commence à s'énerver, à tirer je sais pas où. Crush, qui vient de faire tomber de la part de Tansy, on est passé en 5v4, Sia qui vient de faire tomber, attention ça tombe comme des mouches de chaque côté, on est passé en 3v3, attention c'est équitable, équilibré de chaque côté. Allez ça tombe comme des mouches, on est là, on est passé en 3v2. Attention toujours l'avantage du côté de la nouvelle oxygène qui va pas lâcher prise, c'est là Spence qui rentre chercher son contact, peut-être chercher ce duel. Et voilà Spence qui a été chercher son premier kill. Allez on continue Spence, peut-être avoir son élan. Oula il vient de se prendre une belle petite tête de la part de Benbo. Il vient de prendre cher hein. Et là on est passé à 1v2, on voit TMTC qui se retrouve tout seul. Et en plus il est avec l'agent spécial Fuse, pas de compliqué. Allez on essaie de prendre cette position, essayer d'avoir la formation. Mais sauf qu'il a plus de drone. Il reste toujours 38 secondes, on n'a pas la formation, il sait pas où qu'il est. Allez, va balancer un petit fuse. Allez, barrez-vous. C'est le moment. Allez, ça va être compliqué. On va essayer de récupérer cette bombe. Il reste 20 secondes. Allez, c'est pas tout. Il faut essayer de chercher. Allez, allez chercher ce duel. Peut-être avoir ce contact. Et d'où ça va être très difficile du côté de l'Aneurome. Et voilà, Andrew qui a su faire ce duel et qui l'a fait tomber. On va partir sur un score de 2-2. Attention les deux équipes qui ne se lâchent pas. Allez on attaque sur cette cinquième manche. Et on va partir sur un BP du côté de la Nova Oxygène. On va démarrer sur cette salle d'exposition. Oh, ça a été changé. Karaoké, salle de thé. Avec sa composition de sa défense. Avec Bandit, Jacker, Ella, Warden et Wame. Et bien sûr du côté de la Nova Chrome pour cette attaque. Avec ES, Yana, Buck, Nomade et Fadka. Voilà, on part sur cette manche 5. 2-2 sur le score. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Déploiement de système. Fortification du mur terminée. Magnet déployé. Allez on va voir indirectement. De toute façon les deux équipes hein, qui se lâchent pas. Ça peut finir très bien en prolongation et tout hein, si c'est bien parti. Faut que je recharge. 5 secondes avant insertion. Allez on y va. Équipement opérationnel. Alpha doit trouver et désarmer une bombe. Allez on est parti. On va voir à peu près de quel côté qu'ils vont attaquer. On voit ils sont tous dans le même secteur hein. Allez Sua qui vient de prendre cher en plus avec Thatcher. Allez on regarde les informations. On voit Bandit, Jacker. Allez on voit Sophia qui en garde. Pas Sophia, Ella. Allez Warden. Il y en a qui va se prendre une petite tête, je sais pas pourquoi là. Ouh, il a failli. Il a pas voulu rester longtemps. Allez, on continue, Yana. Yana qui est parti faire ses petites points de référence. Voilà, qui vient se faire détruire. On sait que la formation est là. On va essayer par le tout. Allez on est passé en 5v4. TMC et Sua
qui se tuent entre eux. TMC qui a tué son collègue, hein. Ça donnait l'avantage pour des plapillés de son équipe. Ça peut partir très loin, on est passé en 5v3, oh ça peut jouer un rôle. 5v1, ah c'était un peu short du côté de TMC. Ça va être compliqué pour eux du côté de la Nucrome. Il a pas été de ma mort de tuer Suo. J'espère qu'il a pas souffert le pauvre. Mais on voit du côté de la Nucrome qui sont quand même tombés comme des mouches là. Ils ont pas tenu longtemps. Hein. Ça va être compliqué hein, du côté de TMTC. Pour aller chercher ce duel. 1v4. 156 sur la fin. Ça va être un peu short. Hein. Surtout qu'on n'a pas la formation. Allez, on balance. On le sait qu'on est là. On va passer du flash. Allez, pour faire des versions. Et voilà. Manbo qui est là, toujours au bon moment. Hein. Un peu complexe, compliqué hein, de côté de la Negros. Neogros Chrome. J'ai plus de voix moi avec tout ça. Allez, on est parti sur cette dernière round pour cette attaque et défense de chaque côté. Et justement, on va partir salle de l'exposition bureau avec cette composition de sa défense du côté de la Nova Oxygène avec Mira, Mute, Azami, Wanmei et Warden. Et du côté de la Nova Chrome pour cette attaque avec Montane, Lion, Nomad, Blix, Termite et Thatcher. Attention, Spence qui a pris Termite. Il a bien fait les petits trous au mur. Allez, dernière round de cette attaque et défense avec changement de rôle. Allez, vous avez une prédiction? Vous pensez que c'est qui va gagner ce magnifique beau 1? La Nova Oxygène ou la Neo Chrome? Allez, dites-le dans le chat. Qui va gagner ce magnifique beau 1? Avez-vous une prédiction à donner? Allez, on voit, il y a du bliss. Hein, qui a été pris hein, du côté de TMC. Allez, on prend, on essaie de chercher. Ça va commencer à avancer. Allez, on est passé en 5v4. Oh là là! Oh là là, ça tombe comme des mouches du côté de la Nova Oxygène. Attention, ça sent la petite poste qui vient de se poser du côté de Spence. Allez, on va chercher la formation. Va être compliqué hein, du côté de Andréu. Allez Crust, on va chercher la formation. Peut-être compliqué. Il reste toujours 22 secondes. Ça va être compliqué pour désamorcer cette bombe. Et là on voit du côté de Crush qui se retrouve tout seul. Ça va être du duel. Ouh, la petite double à travers du mur. Oh, peut-être chercher ce duel, ça va être compliqué. Il a plus de vie. Il prend une balle, il est mort. Ça va être compliqué pour lui. En plus il manque de temps. Et voilà TMC qui vient de finir. Et là on va partir sur un score de 3-3. 3-3 sur le score. Changement de rôle. Allez hop, on tourne la petite flèche de la défense et attaque. Et on voit qu'il y a un temps mort qui vient de demander de la part de Nova Oxygène. Et justement pour seulement réveiller l'équipe. Essayer qu'il soit pas trop relâché. Peut-être il y a des fois que le temps mort, ça fait réveiller l'équipe dans un petit clic. Hein. Et puis, hop, il s'est reparti. Hein. Attention, on est quand même sur 3-3 égalité. Hein. Et là, on va voir comment ça se passait entre l'attaque maintenant du côté de la Nova Oxygène et du côté de la défense du côté de la Neochrome. On va voir comment ça va gérer, parce que des fois, on peut être plus fort d'un côté que de l'autre. Mais le Neochrome, ils sont toujours en piste, hein. Ils lâchent pas, hein. Allez, le temps mort, il vient de se terminer du côté de la Nova Oxygène.
Maintenant, on va partir sur cette manche 7 et on va partir sur un BP du côté de la Nochrome. Karaoké, salle de thé avec Mute, Bandit, Lésion, Guyot et Warden. Et bien sûr, du côté de la Nova Oxygène qui prend Ash, Sophia, Yana. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Dokibi et Ice. Et là, on va voir comment ça se passait maintenant du côté du changement de rune. Et on va partir sur cette première rune de cette défense du côté de la Nochrome. Comment ils vont se faire positionner. Et là, on essaie justement peut-être essayer de renforcer quelques murs. Faire des petits trous. On va essayer de le mettre en position. Voilà, on voit entre la petite pièce sur le côté. On va renforcer. Volcan prêt. Est disponible si besoin. Encore 10 secondes. Sécurisation du périmètre terminée. Plus que 5 secondes. Alpha doit trouver et désarmer une bombe. Allez, on est parti, on se lance. On va démarrer du côté de la nouvelle oxygène. Allez, on voit du côté de la nouvelle oxygène qui est en train de droner. On voit Mbembo qui est justement sur cette trappe. Oh, pas la trappe, mais du haut. On voit Spence avec son Guyot qui se met en position. Allez, allô, décrochez. C'est moi, décrochez. Allez, j'arrive. Allez, on voit. Il reste 1 minute 32. Allez, on est à la Nova. On ne sait pas exactement où ils vont attaquer. Allez, on fait péter juste en dessous pour voir la formation. Allez, Warden qui se met juste derrière son bouclier. Spence qui est sur son BP. Allez, on voit Charbon. Allez. On sait pas exactement de ce qu'ils vont faire la Nova hein. Ça fait un moment que ça tourne pour cette attaque. Très difficile hein, pour attaquer hein. Il reste toujours 49 secondes. On va voir comment ça va se passer hein, du côté de la Nochrome. Peut-être ça va donner cet avantage. Ça va être complexe hein. Allez, faut que ça bouge. Il reste 37 secondes. Et en plus qu'ils ont pas la bombe. Si je me trompe pas, ça va être compliqué. En 27 secondes, ils ont pas la bombe, rien, ça va être compliqué. Et voilà le premier qui vient de se faire entrer en force. On est passé en 2v4, attention la petite double du côté de la TMTC. Et voilà la Nochrome qui remporte ce round. J'ai pas trop compris du côté de la Nova Oxygène qu'ils ont pas la bombe. Ils ont mis du temps quand même pour entrer avec peu de secondes. Là on est passé sur un score de 4 à 3. Attention la Nochrome qui prend encore cet avantage sur cette rune. Et là justement on va partir salle d'exposition bureau avec cette composition des agents. Smoke, Mira, Capcan, Wanmei et Kaïd. Et bien sûr du côté de la Nova Oxygène, Ash, Sophia, Dokebias et Yana. On attaque sur cette manche 8. 3 à 4 sur le score. Allez, faut qu'ils se réveillent la Nova. Ils sont longs à attaquer, ils mettent du temps. Alpha doit localiser et en plus qu'ils n'avaient pas pris la bombe. Ils avaient lâché la bombe quelque part. Alors c'était un peu complexe. Exactement. Bah là il a changé, il a pris Mira. Juste pour t'aider hein. Il a pas pris Guyot mais il a pris Mira.
pour cette manche 8. Voilà. Il reste 10 secondes. Mur fortifié. Plus que 5 secondes avant insertion. Alpha a trouvé et désarmé une bombe. Allez, on est reparti pour cette manche 8. Attention, 3 à 4 sur le score. Elle est la Nova, hein. Ils ont pas le choix. Il faut qu'ils essaient de se réveiller. Et puis au moins jouer agressif. Et puis essayer de faire tomber la néochrome. Et d'être plus rapide, hein. Parce que là, la room d'avant, c'était le plus lent possible, hein. On n'a pas le choix, hein. Faut qu'on essaye. Là, on pourra prendre cette position. Même beau. Une bombe a été détectée. On essaie d'avoir les informations. On voit qu'il y a du thermite. On voit qu'il y a du Yana. Allez, il reste toujours 1 minute 50. Ok, on voit du côté là Nochrome qui est en train de se mettre en place. Spence avec son Mira. Dommage Sven, c'était pas le vrai, c'était le faux. Allez, peut-être Sven qui va essayer de jouer le Yana, essayer de le faire tomber. Allez, on va rester sur cette position. Non, je dors pas. Oula, il vient de prendre une belle petite tête. Du côté d'Espence, là on est passé en 5v3, attention peut-être la Nova qui va être surveillée sur cette route pour venir égaliser. Et ici ce qu'ils sont en train de faire, on est passé en 5v2, off. Waf qui a été su faire tomber directement, on voit que Sue qui a su faire tomber, attention ça peut être très vite. Sue qui se retrouve tout seul, ça va être compliqué pour sa défense. 1v3, attention il reste toujours 28 secondes. Là on essaie justement de balancer du smoke. Et voilà la petite trip du côté de Sue. Allez peut-être qu'on... Oula. Oula, qui vient de se prendre une belle petite tête celui-là de la part de Hankill. Et là on va arriver à égalité si je me trompe pas. Kata-kata, égalité. Attention hein, les deux équipes qui se lâchent pas, qui sont prêts à tout donner jusqu'au bout. Ça va être compliqué hein. Vous le sentez que ça sent la prolongation ou pas? Allez, on va partir justement du côté de la néochrome. Ce magnifique BP, sa disposition, bureau, avec cette composition de sa défense. Avec Kaïd, Valkyrie, Mira, Smoke. Et du côté de la TMTC, avec Aruni, Lésion. Et bien sûr, du côté de cette attaque, Ashe, Sophia, Yana, Termite et S. Et on démarre sur cette manche 9, attention 4 à 4. Très serré entre les deux équipes, qui se lâchent pas, coude au coude. Ils veulent tous remporter cette win. Mais vous le savez très bien qu'il faut qu'un seul vainqueur. Allez, parlez dans le chat. Qui va gagner ce magnifique bon 1 hein. Vous pensez à peu près qui exactement qui va remporter ce match? Vous n'avez pas une petite idée? On va refaire la déco. Ça sent la prolongation. Moi, je vous le dis, à la façon comment c'est parti comme ça. Ça sent la prolongation de finir à un score de 8. Hein. Plus que 5 secondes avant l'action. Alpha progresse pour désamorcer le monde. Installé et OP. Système activé. Ça va piquer. Allez, on y va. On va partir. On va du côté Space. Qui fait des petits trous avec son agent spécial Mira. Allez, on va commencer. Bandit pour
renforcer ce mur. Allez, Thatcher. Une petite clé mort. On dirait que la nouvelle oxygène. Oh là, il vient de se prendre une belle petite tête de la part de Chambon. 5v4. Oh là, il a pas vu arriver. Hein. Attention, de pouvoir prendre un deuxième tête. Ça va être compliqué de trop insister. Et voilà. Celui-là qui a été chercher Benpo. Bien sûr, la nouveau Chrome hein, qui lâche pas prise. Hein, et ils veulent absolument gagner cette round. Et ils sont bien partis. 5v3. Toujours avantage du côté de la Neo Chrome. Elle est Crux. Et on perd directement. Allez, il reste toujours 1 minute 33. On va essayer pour le tout. On essaye de droner pour avoir les informations. Spence justement qui se met juste derrière cette petite bombe. Et là on est passé en 3v4. TMC, oh là, Tansy qui vient de prendre très cher, attention hein. Ça peut jouer des tours. Allez, bon, on balance du lésion, on sait que lésion y est là. On va essayer le tout pour le tout. Oh, peut-être chercher ce duel, Spence. Pas trop rapproché, hein. Attention du côté la nouveau oxygène qui arrive petit à petit. Le désamorceur d'Alpha a été abandonné. Allez, on peut-être celui-là. Il reste toujours 31 secondes. Peut-être la petite tête. Spence qui va être donné. Allez, on prend pas le vis. Faut pas trop piquer. Ça peut jouer des tours. Allez, on va récupérer Alpha, cette bombe. Les trésors sont en place. Encore 15 secondes. Et 15 secondes. Allez, on n'a pas le choix. Il faut qu'on pose. Voilà, il y a train de poser. On va voir directement. Ça va être compliqué du côté de la Nouveau. Peut-être chercher ce kill. Eh non, Spence qui a été chercher ce duel. Et la Nouveau Chrome qui remporte cette rune. Et là, on va partir sur un score de 5 à 4. Attention, si vous écrivez majuscule ou vous utilisez des lettres un peu complexes, le bot il est là pour vous ban. Hein. Je tiens à le dire. Hein. J'aime bien mon bot. Il est très gentil, mon bot. Allez, on va partir sur cette dixième manche et on va partir sur un BP karaoké salle de thé avec cette composition de sa défense avec Capcan, oh, Warden, Goyo, Lésion, Alibi, Mute et bien sûr du côté de la nouvelle oxygène avec Ash, Sophia, Yana, Dokebi et S. Et on démarche. Delta, empêcher Alpha de. On démarre sur cette dixième manche. 4-5 sur le score. Attention, la Nova qui n'ont pas dit le dernier mot qui peut arriver facilement, égaliser ce score avec la Neo Chrome. Et justement, c'est l'occasion. Alpha a localisé une bombe. Il reste 5 secondes. Mur sécurisé. Alpha progresse pour désamorcer une bombe. Et on est parti du côté de la Nouveau. Attention, Andrew qui a pris très cher. Hein. Cette position directement. Allez, Warden. Et voilà mon double. Allez, ça regarde les caméras. Ça se met en position. Et on voit que ça drone hein, du côté de la Nova. Pour essayer de chercher les informations nécessaires. Pour essayer de faire tomber quelques joueurs du côté de la Neo Chrome. Allez, Dokebi.
les H killer. On sait pas exactement où qu'ils vont attaquer. Hein. J'arrive pas à trouver leur système de jeu du côté de la Nova. On dirait qu'ils attaquent séparément, je sais pas. Très difficile leurs attaques. Là on voit du côté de la Noochrome qui sont en place, on voit hein, Spence avec son Goyo. Allez, il y a deux Kibi qui est en train de faire sonner votre bip bip. Décrochez le téléphone, dites allô. Dites allô. Ah bah désolé, t'as pas décroché à temps, maintenant il va tomber sur le répondeur. Voilà. Voilà DMC. Allez, Dokibi qui vous appelle. Ah là, on est passé en 4v4. Attention, TMC qui est blessé. Ouya, il y a celui qui a été cherché son double kill. On est toujours en 4v2. 4v3. Allez, on va essayer. Celui-là peut être cherché encore un kill de plus. 5v3. Et voilà la petite tripe du côté de celui-là. Et un 1v5. Ça va être compliqué hein, du côté de la Nova. Très dur. Trop compliqué de Kibi qui se retrouve tout seul. De toute façon, ça peut être une manche parfaite du côté de la Neochrome. Ça va être compliqué. Peut-être chercher ce kill. Ouyaï. Très difficile. Quelques secondes. Peut-être. Ouais, voilà. Il a été cherché ici de faire tomber Siwa. Et non, Tamsi qui l'a fait tomber un kill. Et comme on dit, mat et mat. Manche décisif du côté de la Neochrome. Allez, manche décisive du côté de la Noochrome, la Nova Oxygène, ils n'ont pas le choix de faire le remontada. 6-4 sur le score, attention la Noochrome, qu'ils n'ont pas dit le dernier mot, qu'ils veulent absolument gagner ce BO1. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire si Nova se réveille pas maintenant. Et c'est pour ça qu'on va partir sur un BP, barbecue, cuisine, avec cette composition de sa défense, avec Storm, Wanmei, Jacker Lesion, Goyo du côté de Spence. Et bien sûr, du côté Lesion et Alibi. Et bien sûr, cette attaque du côté de la Nova. Buck, Yana, Ash, Thatcher, Ace. Et là, ils n'ont pas le choix. Allez, un point de la victoire du côté de Neochrome. Et le Nova Oxygène, ils n'ont pas le choix pour faire le Robotada. Et n'oubliez pas qu'on se retrouvera demain sur ma chaîne à 21h. La Divi Black va affronter Askip du Minor B. Ça se passera sur cette machine ici. Et après, ce sera repos. Le samedi repos. Et on reprendra peut-être dimanche au soir. Pour une nouvelle semaine. Alpha progresse pour désamorcer une bombe. Allez, on est parti! Allez, on va chercher du 5v4. Attention, crush! Qui vient tomber. Un peu compliqué hein, du côté de la Nova Oxygène. Et voilà, c'est mal parti. La Noochrome qui sont bien échauffés. Ils veulent absolument cette win. Compliqué hein, du côté de la Nova. Ah là 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 là. Et en plus ça se suit entre eux. C'est pas le but. Le but, c'est tuer les équipes en face, hein, pas vous, entre vous. Hein. Et là, on est passé en 2v4. Ah, la manche va bientôt être finie. Hein. Va être compliqué. Hein. Et en plus, qui a pas pris cette bombe avec lui. Off, qu'il est suspendu. Ça va être complexe. Hein. C'est mal parti hein, du côté de la Nova. Hein. Je veux rien dire. Hein.
Allez, on va peut-être chercher. Oh putain, la petite double du côté Enkill. Attention, on est passé en 2v3. Attention, on nous voit et qu'ils ont pas dit le dernier mot. Il peut facilement aller chercher, hein. On va les voir du côté. Celui-là qui a pris très cher. Ouh, il n'y a plus beaucoup de vie. Bah, c'est un peu compliqué. Allez, Légion qui est en préparation. Allez, du côté Thatcher. Il a peut-être entendu quelqu'un. Il va peut-être chercher la formation. Compliqué, hein. Il reste toujours 51 secondes. Ça va être complet, ça va être compliqué pour eux. Surtout qu'ils n'ont pas plus d'informations. On ne sait pas exactement s'ils vont passer par cette trappe. Et il reste toujours 39 secondes. Il faut commencer à bouger, essayer de drôler au maximum. On va essayer de chercher. Et voilà, il sait qu'il est là, l'information. Et puis que son drone a été détruit. Complexe. 27 secondes. En plus, Wolf, qui a 7 bombes. Et voilà, Anki qui a su faire tomber aussi, on est passé en 2v2, allez, il reste 17 secondes, on n'a pas le choix. Ah, voilà, c'était dommage, t'es bien tenté. Spence et Tomsi qui étaient cherchés ces duels, et qui s'est fait tomber, et là, ça se termine. 7 à 4 sur le score. C'était rapide pour finir cette soirée. Voilà, 7-4 sur le score.
I'm a deal.